Tout est arrivé si vite. Sans jamais prévenir, mes jambes me lâchent. Faut dire que la mort de mamie m'a mis un sale coup. Mais depuis, je tiens plus debout. Ça fait 6 mois que ça va plus. 6 mois que je me fais à l'idée que il va falloir renoncer à ma passion. Je vis sans arrêt avec le regard d'incompréhension des autres. Comment ça se peut qu'elle marche plus? Je vous avoue, c'est dur. Il m'arrive même d'en vouloir à ceux qui me soutiennent. Ceux qui, pourtant, font du mieux qu'ils peuvent. Enfin bref, je vous explique. Les médecins m'ont diagnostiqué une dyskinésie fonctionnelle. En gros, j'ai tellement été surprise par le décès que l'information passe plus entre mon cerveau et mes jambes. Et résultat, je marche plus. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, je continue de vivre ma vie, tant bien que mal. Et surtout, je reçois énormément de soutien et d'amour. Toute cette bienveillance qui nous amène à ce jour. Je suis sur la piste, assise sur mon fauteuil. Le vent caresse mes jambes. Je décide, après maintes tentatives, de me lever. C'est bon. Je tiens debout. Oh mon Dieu. Waouh. J'y crois pas. Je marche. Enfin non, je cours même. La sensation de se laisser guider par ses jambes. Le bruit des chaussures sur la piste. En fait, c'est un miracle. Enfin, je sais pas, mais... Mais waouh, quoi. Tout ça s'est passé si vite. La dyskinésie est un trouble moteur qui représente 50 naissances par an en France et une naissance sur 16 000.